Ça prend des souvenirs de ta grosse bédaine. Arrête de me suivre! Des grosses, grosses, grosses! Tu me suis trop de proche! Je pense que c'est aujourd'hui que Lilou va avoir ce bébé. Elle respire fort, elle a eu des pertes de glaire. Puis là, elle est en train de me scraper le coussin, quelque chose de rare, là. À noter que c'est sa dernière. C'est la dernière fois que. C'est son dernier bout de vie. Il est comme ça depuis ce matin. Fait que je m'attends à avoir des petits bébés d'ici la fin de la journée. Bonjour tout le monde, bienvenue à la fermette de Santé. Cette semaine, ça a été une semaine de naissance. On a eu au-dessus d'une soixantaine de cailles, de caillots qui sont au monde. Moi, je les appelle affectueusement les cailloux, je trouve que c'est plus cute. Et Lilou a eu ses bébés. Alors, ça a été une journée assez intense, je vous dirais, quand elle a eu ses bébés. Puis on s'est dit qu'on allait faire un petit vlog cette semaine pour parler des naissances, puis parler de comment ça s'est passé avec Lilou. Sans rentrer dans tous les détails, mais en tout cas. Fait que mardi, je me doutais que ça s'en venait. Toute la journée, elle était beaucoup, puis je voyais que le travail allait commencer. Puis finalement, ça a commencé dans la nuit, les contractions. Le premier bébé est né à 1h05 dans la nuit. Pour Marine, ça allait quand même relativement assez vite. En l'espace de 2-3 heures, tous ses bébés étaient nés. Puis Marine, elle a eu deux gestations jusqu'à maintenant. La première fois, elle en a eu 7. La deuxième fois, elle en a eu 9. Là, Lilou était vraiment immense. Là, ceux qui ont vu les vidéos, puis ceux qui ont vu les photos, là, c'est fou comment elle était gros. Je m'attendais à ce qu'elle en ait 11. Genre. Puis finalement, en bout de compte, elle en a eu 10. Malheureusement, le 10e est décédé. Parce que Lilou, elle a eu beaucoup d'attentes entre ses naissances. Les premières, c'était quand même de quoi de normal, mais comparativement à Marine, qui en l'espace de même pas 2h, 2h30, 3h, elle avait eu tous ses bébés. Elle, en plusieurs bébés, il y avait au-dessus d'une heure là, d'attente. C'est arrivé 2-3 fois qu'elle en a eu deux presque de suite. Puis, mais comme entre le premier et le deuxième bébé, il y avait une heure après ça, on continue. On a commencé avec une petite fille, puis ensuite, elle a eu, si mettons, je parle des 10 bébés, elle a eu 8 garçons. Puis ensuite, la dernière qui est décédée, là, à la fin, elle est morte-née. J'ai essayé de la réanimer, j'ai essayé de m'en occuper, puis elle a eu il est comme 18 heures après avoir eu son premier bébé. Je sais pas si c'est parce que c'était sa première gestation, si c'est parce qu'elle était épuisée et morte. En même temps, les contractions, ils venaient pas tout de suite. Fait que je sais pas, son système avait peut-être besoin de s'habituer. Je sais pas. Mais c'est la vie. Dans la vie, des fois, tout va bien. Des fois, ça va moins bien. Fait que ça a été vraiment une mise bas plus particulière. J'ai pas dormi de la nuit, cette journée-là. J'ai dormi le matin. Puis le petit 9e, il est né, lui, 12 heures après le premier. Ça faisait, je pense, 4 heures là, et plus là, qu'elle avait eu l'autre bébé d'avant, le numéro 8. Puis je suis arrivée, puis le petit numéro 9 était né. Ben, je ne suis pas restée toute la journée à côté d'elle. Je pensais qu'après 8, elle n'en avait plus. Il était quand même assez gros, ces bébés-là. Ils faisaient tous 12-11 en montant. Il y en a un qui faisait même 15-11. Là. Fait que c'était quand même des bons bébés. Fait qu'on se disait, c'est normal qu'elle était si grosse que ça. C'est quand même des beaux gros bébés.
Là, je suis arrivée, puis le petit numéro 9 était né, mais elle n'avait pas toutes les chiffres et qu'il était encore un peu dans sa poche. Il a fallu vraiment que je le stimule là, beaucoup, beaucoup en le frottant, parce qu'il n'avait pas le réflexe de téter. J'ai vraiment pensé le perdre. Vraiment, là, je me faisais plus d'attente. C'est un petit miraculé, vraiment. Sauf que présentement, il est plus petit que les autres, parce que la première, c'est ça, il avait comme pas le réflexe de téter. Il a fallu la nuit passée que je me lève 2-3 fois dans la nuit, parce que je l'entendais pleurer. Puis, je suis obligée de mettre le doigt dans sa bouche pour provoquer le réflexe de tétage. Puis là, de le mettre sur un mamelon. Puis là, il tétait. Mais aujourd'hui, il tétait tout seul. Des fois, il y avait la difficulté à trouver un mamelon, à faire sa place, parce que les autres sont plus gros. Mais il tétait tout seul. Puis là, il trouve sa place tout seul. Puis, il boit. Fait que dans mon principe, dans les prochains jours, il devrait quand même rattraper pas pire sa grosseur. Fait que je vais vous les montrer un petit peu. Léla, elle avait été accouplée avec un berger australien merle bleu. Fait que ses bébés sont tous noirs, tous des tricolores noirs. En fait, elle a 5 tricolores noirs, puis elle a 4 merles bleus. Pas de petits rouges cette année, ça fait drôle parce qu'ils se ressemblent beaucoup toute la gang. Là. Les merles se ressemblent, puis les petits tricolores se ressemblent. Fait qu'il faut vraiment avoir les marquages dans le visage puis sur le dos pour ceux qui vont acheter les chiens, pour que je puisse être sûre de donner aux personnes le chien qu'ils ont vraiment réservé. Fait que la petite fille, c'est une merle. La seule et unique petite fille parmi tous ses frères. C'est une petite merle. Puis mon petit bébé qui a eu de la misère, regardez, c'est lui ici. Regardez comme il tète. Lui, il lâche plus, là. Il a trouvé comment ça fonctionnait, là, puis il y a vraiment un instinct de survie qui a embarqué, là, puis Lilou, elle s'en occupe bien. C'est une très, 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 très bonne maman. Même que le petit bébé, j'ai essayé de lui donner le biberon, puis elle est venue me rejoindre dans la cuisine, puis là, elle a voulu le pogner par la tête pour partir avec. Elle voulait vraiment comme ramener le bébé à sa place. Fait qu'on fait pas exprès pour éloigner les bébés trop loin de maman. Elle aime pas ça. On va éviter les visites aussi pendant plusieurs semaines pour pas qu'elle soit en détresse ou qu'elle veuille protéger trop puis qu'il risque d'avoir des accidents. Fait qu'on va s'arranger pour qu'elle stresse pas trop. Puis nous, on va essayer de se gâter en masse, à les flatter, à s'en occuper. Petit bébé, désolé pour les ombrages. Il y en a qui sont vraiment gros. Regardez ça comme il est cute. Petit bébé. Et voilà, pour faire des dos bébés. Oui. Avec la belle Lilou qui a eu ses bébés. Il y en avait 10, il en reste 9 de vivants. On va voir grandir, grossir. C'est une belle expérience. Heureusement qu'on n'a pas 10 chiens qui nous donnent des bébés comme ça, par exemple. Je pense que je ne te ferai pas la run.